football maintenant, Marguerite. Les clubs français vont-ils choisir de garder leurs joueurs ou bien de reconstituer leur trésorerie? La question est posée. En effet, le mercato d'hiver s'ouvre aujourd'hui dans un contexte bien particulier, il faut le dire, avec la pandémie, le huis clos, le fiasco Mediapro. Les caisses des clubs se sont vidées. Certains n'auront d'autre choix que de brader leurs joueurs. Voilà ce que redoute l'agent Christophe Hutot. Aujourd'hui, vous êtes acheteur. Vous savez que vous avez en face de vous un vendeur qui a besoin d'argent. Qui plus est, rapidement, qu'allez-vous faire ? Vous allez gagner du temps pour payer le produit que vous allez acheter le moins cher possible. C'est la base de l'économie. Donc, les clubs anglais, notamment, voire allemands, ou quelques pays exotiques où il y a des forts moyens, comme en Russie, comme encore en Chine, ou dans les pays du Golfe, ben, ils vont attendre tranquillement la fin de la fenêtre du mercato pour pouvoir faire des offres. À la baisse, j'irais même jusqu'à dire, dans certains cas, à la casse. Et ils savent pertinemment que les clubs vendeurs n'auront d'autre solution que de vendre, pour limiter les dégâts, voire de continuer à exister. L'agent de joueur Christophe Hutot avec Julien Froment. Et puis...